26 balles et tu vas encore à l'école. T'as bien tes crayons, tes gommes, ton petit cartable en vinyle. Alors celui-là, l'IFM c'est une grande école de commerce, ok? Hein? Et puis c'est un deal avec mon beau-père. L'IFM c'est bidon, et ton beau-père c'est un con. Ouais mais moi un jour faudrait que je gagne ma vie, hein. Et puis personne ne me paye une brique de l'heure pour poser devant un objectif. Je suis pas mannequin, mais... Ah. Oh l'enfoiré. Aïe, voilà des emmerdes qui approchent par d'abord arrière. Comment te sens-tu? Moi, à l'aise. Je suis avec un mec qui va taper pour mes beaux yeux. T'as pas l'arrêter, fils de pute. Et voilà, ça j'aurais aimé. Que tu te battes pour moi. Je sais pas, là. Alors le tracteur a reculé, j'ai attendu que le blaireau arrive à ma hauteur, et là j'ai démarré. Vous auriez vu sa tronche. C'est pas tout à fait ça, madame. En fait, dès que t'as pu y aller, t'es parti comme si t'avais fait au cul. Si tu veux mon avis, c'était pas la plus mauvaise chose à faire. Alors je vais te dire un truc, Bisou. Ici, on adresse la parole à un ancien que c'est que t'as demandé, ok? Ça existe encore, ces conneries? Ouais. Hé, il va falloir qu'on le prenne en main, celui-là. T'as intérêt à avoir grande main, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, messieurs, dépêchez-vous, monsieur Dujardin va commencer son discours. Monsieur Balmonchard, encore là? Mais c'est un truc pas mal. Ce soir, vas-y. Vite, donc. D'accord, mais est-ce qu'il en a eu? Le meilleur, c'est moi. Le plus beau, c'est moi. Le roi du monde, c'est moi. Parce que plus c'est tôt, moi. Donc, hein, les affaires, c'est simple. Ça consiste à entrer dans une porte à tambour derrière quelqu'un et à ressortir devant lui. Comment faire? Il y a une technique, on vous l'apprendra. Mais il va falloir travailler dur, hein? L'incapacité est une mauvaise excuse. L'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. La plupart des gens n'utilisent que 15 à 20% de leurs neurones. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous apprendre à mobiliser 100% des petites cellules que vous avez dans la tête. Et alors là, vous pourrez commencer à jouer à ce jeu qu'on appelle les affaires. Un jeu de voyous pratiqué par des gentlemen. Les cours dans les autres écoles sont des caravanes de lieux communs dans des déserts d'idées. Ici, pas de cours, de l'entraînement. Les juniors entreprises, ce sont des entreprises sans existence réelle, mais qu'on doit gérer dans les conditions du direct. Il faut trouver les solutions, pas les chercher, les trouver. Ailleurs, on forme des chercheurs. Ici, on fabrique des trouveurs. C'est clair? Vous pouvez leur dire merci à vos clubs de golf. Ah, je sors de chez Dujardin. On dit monsieur le directeur. Si vous voulez, oui. En tout cas, je suis condamné à gagner le trophée des grandes écoles. Mon petit Cardo? On dit François ou monsieur Cardo. Vous saviez qu'il voulait vous virer? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Quoi qu'elle dit brique la scolarité. Ben méfiez-vous parce qu'il veut donner un exemple. Peut-être qu'ici les élèves se tuent pas au travail, mais vous vous êtes tué à rien faire. Enfin, si on peut dire. Mignonne, non? Il paraît que c'est votre fiancée? Ouais. Dépêchez-vous d'emmener ces journaux, monsieur Dujardin, il les attend avec impatience. Bon entraînement, monsieur Cardo. Entre ici, Victor Darjona. Membre de l'âge de 13 ans du Chaos Computer Club, un an d'éducation surveillée, impliqué dans l'affaire dite de la nuit du lézard géant, nuit du 2 au 3 novembre 1988, au cours de laquelle 6000 ordinateurs dans le monde ont fondu les plombs. Condamné le 8 février 1989 par le tribunal de Nanterre à 5000 francs d'amende et à 3 mois de prison avec sursis en application de l'article 462.2 du Code pénal. Si vous savez tout ça, je comprends vraiment pas ce que je fais ici, avec une bourse en plus. Justement.
justement? J'ai viré le responsable informatique de l'école à la fin de l'année dernière. Ah. Et un petit cadeau, et vous avez laissé un virus dans votre système informatique. Voilà. Ben voyons. Donc, si je comprends bien, vous me demandez de faire le ménage parce que je coûte moins cher qu'une entreprise spécialisée. Vous comprenez vite. Ça doit être l'habitude des ordinateurs. Non, c'est l'habitude des emmerdements. Et j'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Bon, j'accepte. Asseyez-vous. Gauthier, le directeur financier de l'école, vous montrera le système informatique. Vous aurez accès à tout, bien évidemment. Ah, doué comme vous l'êtes, vous devez pouvoir me débarrasser de ce virus en quelques semaines. Isabelle, vous me passez le dossier marchandeau, s'il vous plaît. Et il se présente comment pour l'instant? On a des écrans noirs, des messages incohérents, des activations de certaines touches. Bon. Ben, si le programme piraté est accroché sur le système d'exploitation, ça ira. Mais s'il est sur la mémoire centrale, là... Bootstrap? Bootstrap? Vous connaissez l'informatique? Enfin, j'ai... Vous avez à la langue aussi fait. Et puis, j'ai essayé de me documenter. Allez! Pour le moment, à vous de jouer. Vous savez combien de boîtes d'informatique vous prendrez pour faire ça? Oui. Et 3 ans d'études gratuites ici pour un repas de justice, ça vous convient à ton avis? Daniel Latour. C'est bon, c'est toi aussi? Ouais, c'est marqué dessus. Salut quand même. On était en Chine pendant 3 semaines pour un 30 secondes. Sans Nathalie, j'aurais craqué. Jim. Mais qu'est-ce que je vois ici des demoiselles? Mais vous savez que c'est interdit. Monsieur Balanchard, venez donc prendre un petit verre avec nous. C'est la rentrée. Je te dis pas les Chinois. Quand on leur a dit qu'on faisait une pub pour vendre de la bouffe pour chiens. Et encore, ils savent pas combien ça coûte. Savez-vous que le chiffre d'affaires de la nourriture pour chiens et chats en France est égal au produit national brut du Mali? Bah dites donc, vous en savez des choses, mon petit Marcel, hein? 30 ans à traîner dans les couloirs de l'IFM. François? Ouais. Téléphone. Allô? Ah, maman. C'est gentil de t'aider. C'est sa petite maman qui veut savoir si tout va bien. Oui, tout va bien. Chris est avec toi? Oui, bah passe-le-moi, je vais dire bonjour. Arrêtez de déconner, c'est mon beau-père. Allô? Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, oui. Oui, oui, comme prévu, je suis en 3e année. Absolument. Pour le diplôme? Non, bien sûr. Oui, oui. D'accord, on vous voit à Paris bientôt? Bon. Bon, bah vous me préviendrez, hein? D'accord. Non, vous faites pas de soucis. Allez, au revoir. Eh, 3e année, mes fesses, hein? T'as rêvé? Moi, j'ai l'impression qu'il est toujours en 2e, pas vous? Ouais, tout à fait. 3e année, les mecs. 3e année, voir vos troncs d'abrutis. Mais t'as pas du goût? Faut que je m'en... Déjà? Tu m'accompagnes jusqu'au bus? C'est quand, la prochaine fois? Je me débrouille. Tu sais bien. Les murs sont faits pour être faits. Et les kilomètres ne font pas peur. Hey, tu penses à moi un peu? Tu seras pas là? Chaque fois que je te manque, j'arrive. Tu me manques déjà. Je t'adore. Vous êtes là! Vous êtes des merdes! Vous êtes rien! Genou flexion!
est le club le plus fermé de France. Il ne compte que 3 membres. Vous les avez devant vous. Vous nous appellerez grands maîtres. Vous nous devez le respect. Comment marquerez-vous votre allégeance? En faisant ceci. Quand vous croiserez l'un de nous 3. Entraînement. Plus bas, plus bas. Allez, allez. Et toi, t'as vous jamais quoi? Ouais, tu crois que je t'ai pas vu? Ouais. Silence, crétin! Allô? Notre grand maître vous demande l'heure qu'il est. Vous devez donner l'heure et ajouter derrière: je suis le roi des cons. L'humanité, le démon de l'humanité, est au le plus jeune et le plus humanité, demandez ça, ça, ça. Il est 3h, bravement, et je suis toujours et encore le roi des cons. Alors dis-moi, Bisou, serais-tu l'exception qui confirme la règle? Vous faites un contresens, grand maître. Tu peux expliquer ça? L'exception ne confirme pas la règle, elle la met à l'épreuve. L'exception confirme la règle est une mauvaise traduction. De exceptio probat regulam. L'exception met la règle à l'épreuve. Probare, mettre à l'épreuve. Si l'exception est trop forte, ou si les exceptions sont trop nombreuses, la règle n'est pas confirmée. Et je ne suis pas le roi des cons. Pas mal. Chapeau, Bisou. Alors là, tu nous assieds, là. Hein? Stercus, stercorum. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Il ne peut pas faire comme tout le monde? C'est un déguisement ou quoi? Absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire petit bourgeois voulant péter plus haut que son cul. Silence, imbécile! On ne rit que sous des plaisanteries d'anciens, ok? Tu vois l'inconvénient? T'as pas l'air déguisé. Toi, on t'a préparé quelque chose de très très spécial. C'est en tarte à la crème. Oh. 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 Ça se rapproche. Il y a quel sens, Bisou, non? Ouais, plutôt, ouais. Attendez. Je vais vous montrer, moi, comment on jette une tarte. 90 francs. Et 10 de plus, il a le droit de bisouter un ancien. Je vais te dire, t'as du cul, Bisou. Eh, dis donc. C'est vrai que ta gonzesse, elle sort avec le photographe de lui? Qu'est-ce que tu dis, là? Rien. Je rappelle ce qu'on raconte. Eh, remarque, mets-toi à sa place. Un petit étudiant fils à papa. C'est peut-être un peu léger pour elle, non? Bah, fais gaffe à ta gueule. Ça te démange, hein. Allez, vas-y, 10 balles. Il est nul, ton piège, Bisou. Eh! Tu lui fais un plan love, mais à mon avis, c'est lui qui l'y glissera. Oh. Enfoiré. Ah, tu vas te montrer, moi, qui c'est qui lui glisse. La participation aux juniors entreprises est non seulement obligatoire, mais elle est fondamentale, car n'oubliez pas que les notes que vous y obtiendrez entreront pour moitié dans le calcul de votre travail. Voilà, messieurs, je crois que j'ai assez parlé. Messieurs, regagnez vos classes et au travail. Plus c'est en toi, mais il faut aller le chercher. Dans 2 minutes 45 exactement. Qu'est-ce que t'as foutu? François Cardo, dernier appel, au départ s'il vous plaît. 2 minutes et vous étiez scratché, monsieur Cardo. Ouais.
directeur va vous recevoir tout de suite. Il termine avec Monsieur Gauthier. L'homme des finances? Oui, c'est notre directeur financier. Important. Bah oui, c'est quand même le but de la manœuvre, hein. Faire plus de fric possible. C'est ce qu'on essaye de vous apprendre. Il vaut mieux donner l'exemple, non? Plus c'est en toi. Voilà, vous pouvez y aller. François Cardot, handicap 3, a déjà 7 coups de retard sur le joueur de HEC. Le représentant de IFM, Institut Français de Marketing, plus connu dans le milieu étudiant sous le nom de Sup de Fric, n'est pas dans un bon jour. Il est toujours aussi con celui-là. Oui, c'est bien ce que je disais, il a dû passer une nuit agitée. Il va m'entendre, Cardot. Alors, Darjola, où en êtes-vous, monsieur? Ben, ça avance. Je crois que c'est une bombe logique placée dans le programme IO, puisqu'il est indétectable à la compilation. Seulement le problème, c'est qu'elle doit être en sous-programme pour un grand nombre d'opérations en planification simultanée. Alors forcément, ça facilite pas, quoi. Il devait beaucoup vous en vouloir, celui qui vous a tricoté ça. Vous pensez revenir à bout rapidement? Faudrait quelques semaines. Sauf si je peux rester là pendant les vacances de Noël. Là, ça pourrait aller plus vite. Mais quoi, je sais pas. Vous voulez pas rentrer chez vous pour les fêtes? J'ai pas de chez moi. Comme vous voulez. Mais je vous préviens, il y aura personne, hein. Il faudrait que vous vous occupiez de vos repas. Pas de problème. D'accord. Premier prix par équipe, HEC. Je ne veux pas qu'on m'explique comment on perd, je veux qu'on gagne en fermant sa gueule. Vous, vous sortez de chez monsieur le directeur. Gagner. Et ce qui mine le plus, c'est qu'on parle encore de Sup de Fric. Vaut mieux en direct à la télé pour le faire. Eh ben, je l'ai fait. Voilà. Et vous vous en sortez comment? Bah, j'ai été viré de ma suite et j'emménage dans une petite chambre avec un autre élève. C'est pas cher. On ne met pas 10 briques à la porte sans un motif grave. C'est toi qui t'installes? Eh oui. J'ai trouvé un sponsor pour l'école. Bravo. Alors là, je pouvais vraiment pas mieux tomber. Je le crois pas. T'aurais pas pu gagner ton trophée Lancôme. Allez, ta gueule, Bisou, ça va. La prochaine fois que tu me parles comme ça, je t'écrase le nez. D'accord? Allez, excuse-moi. Puisqu'on doit habiter ensemble, hein. Tant qu'on s'entend bien. Alors, les red buyout, c'est l'achat, bail, de la totalité d'une entreprise out, indique ici, pour la sortie de marché, par un groupe d'investisseurs privés, au moyen d'une très forte proportion d'argent emprunté et gagé sur la société. C'est ce qu'on appelle l'effet levier, leverage. Les dettes sont ensuite remboursées grâce à la liquidation de certains actifs et surtout, surtout, à la gestion extrêmement serrée qui maximalise le cash flow. Par exemple, Harley Davidson, les motos, vous connaissez, valeur de la société, 85 millions de dollars. Acheté avec combien? Avec 1 million cash et 84 millions d'argent emprunté. Intéressant, non? Dans un LBO, la banque prête non pas sur ce que vaut la société aujourd'hui, mais sur ce qu'elle rapportera dans les 10 ans à venir grâce au dynamisme des nouveaux propriétaires. Et vous voyez, je fais moi-même ce cours chaque année, car je pense qu'il illustre parfaitement le capitalisme moderne, qui repose surtout sur le talent et la capacité des gestionnaires. Prenons un exemple, si vous voulez bien. Plutôt que de longs discours théoriques, nous ferons, dans le cadre de la junior entreprise d'ingénierie financière, un LPO sur une société fictive. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, monsieur. Oh.
Voilà. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez au ski? Eh, naturellement, monsieur Blanchard. On va faire un petit stage de poudreuse. Attention, mais dans la profonde, on plie bien les genoux. Ah, on plie comme ça. C'est pas impossible. Alors, Victor, vous nous gardez l'école pendant les vacances? Ben ouais. Et vous, vous partez aussi? Oui, demain, direction la neige. Bon, ben, bonnes vacances. Moi, je vais slalomer dans les logiciels. On compte sur vous pour ce virus. Je vais l'attraper. Je le tiens. Peut-être ça que tu cherches, petit. Pourquoi vous êtes ça, monsieur Balanchard? J'ai entendu des choses, il faut que tu te méfies. Vous savez que vous risquez gros, hein? T'en fais pas pour moi, là. Dujardin m'a donné mon congé pour la fin de l'année, alors tu penses? Maintenant. Je vous dérange pas au moins? Mais non, c'est parce que... L'accès de ce bureau est absolument interdit en l'absence de monsieur Dujardin. Je cherchais juste quelque chose de renseignement pour mon travail. Écoutez, vous avez déjà accès à tout le système informatique et monsieur Dujardin m'a bien précisé que vous aviez tout ce qu'il fallait pour votre travail. Non, mais je comprends, mais c'est parce que j'ai trouvé... Mais moi, je suis obligée de faire un rapport au directeur. Ben voilà, comme ça, il me donnera lui-même ce que je cherchais. C'était juste pour gagner du temps, vous savez, c'est pas... Et qu'est-ce que vous cherchiez, au juste? Chiffrement, transaction avec l'étranger. Je suis pas au courant. C'est quelque chose de normal pour vous, ce chiffrement? Bah, c'est-à-dire, en fait, j'ai trouvé ça complètement par hasard, parce que normalement, c'était introuvable. Et puis, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le virus, alors, je sais pas, je vais voir. Bah, passez de bonnes fêtes. Bah, vous aussi. Au revoir. Tu nous as fait venir pour un chiffrement de rien du tout. C'est une substitution polyalphabétique plus compression, mon pote. Avec un programme de recherche et de simulation, on trouvera en moins d'une heure. Hein, Bernard? Quelques minutes, peut-être même quelques secondes. Avec ça, je vais me régler Taïwan, un superprocesseur du CNRS, alors ta guinguette, ça va être Hiroshima pour elle. Attends, hier, ça fait 2 ans que j'ai décroché. Je vous rappelle que je suis en sursis, alors déplombez-moi ce truc-là qu'on en finisse, quoi. Alors, c'est pas Alibaba? Putain, l'enfoiré. Tu vois ce que je vois? 25 patates par mois. Là, mon salaud, pour un mec qui a perdu la main. Non, mais arrête, c'est pas moi qui ai fait ça, là. T'es arrivé quand? Fin septembre. Et paf, premier détournement en octobre. Je voulais voir si on pouvait tester ta combine. Un service test? Puisque je vous dis que c'est pas moi qui ai fait ça. Ah, te casse pas, nous on a pu déceler, mais tu risques rien. On passe bijoux. Vous êtes con ou quoi? Y'a que le mec qui a foutu le virus qui a pu faire ça.
Il va falloir que j'en parle au dialogue parce que ça fait clair ce soir. Ici, c'est lui. Lui quoi? Qui pique dans la caisse. Dirlo, il est nul en informatique. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas, moi, c'est lui qui m'a dit. Ouais, c'est ça. Moi, s'il te plaît, j'irai mollo là-dedans. Sinon, on a du mal à croire que c'est pas une arnaque à toi, je te raconte pas le tribunal d'instance. T'en occupe pas, t'es au courant de rien. Il y a peut-être quand même une solution. Quoi? Briquer les fichiers clients de la Caïman Banque. Ça pour une chance sur mille. Les comptes des paradis fiscaux sont intouchables. C'est des mecs comme nous qui convergent les protections. Ouais, non, sérieux. Si c'est pas toi, écrase sur la question. Eh, on peut pas réussir à tous les coups. Souviens-toi de l'affaire en Bandiano, on s'était planté. Bootstrap? Bootstrap. Vous connaissez l'informatique? Quel con! Je lui ai cassé la gueule, mais il a quand même réussi à mettre une droite, hein. Un petit mec, tourné autour d'Ursula. Pour finir, je me suis engueulé avec elle et je lui ai mis une petite baffe et sans faire gaffe, je lui ai cassé une dent. Enfin bref, tout va mal. Surtout qu'en rentrant, j'ai cartonné ma caisse. J'étais un peu énervé, et... enfin tu vois. Et moi, c'est encore pire. Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi est-ce qu'il arrive? Tu crois que c'est un coup monté pour te faire plonger à la place de quelqu'un d'autre? Je suis sûr de rien. Mais en cas d'audit informatique, il y a tout pour dire que c'est moi tant qu'elle s'est détournement. Et tu crois que c'est du jardin? Écoute, il a dit un truc qui montre qu'il s'y connaît très bien en informatique. Il m'a parlé du programme Bootstrap. Et ça, mon pote, crois-moi, ça se trouve pas dans l'IB. Ce salaud avait en quelque sorte monté un crime économique parfait. Si on veut, il faudrait que j'arrive à avoir la preuve que c'est lui qui bénéficie des détournements. Et ça, ça va pas être de la perte. Mais dis-moi, si je comprends bien, on est autant dans la merde l'un que l'autre. Tu comprends bien. À ton avis, elle vaut combien l'alcool? Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, l'IFM, elle vaut combien aujourd'hui? Je sais pas pourquoi. J'en sais rien, moi, quelques dizaines de millions, 50, 60. Enfin, je te dis ça. Non, puis... faudra avoir les derniers bilans, faudrait savoir s'ils sont propriétaires des bâtiments. Bah, tu vois, il y a un tas de trucs à savoir. Enfin, les bilans, on peut les avoir, hein. Je te suis pas très bien. Pourtant, c'est clair. On rachète l'école, on vire du jardin, et là, là, il pourra plus porter plainte. T'es barge. T'as une autre solution? Non, mais t'as déjà vu des élèves acheter leur récolte? Non, jamais. On sera les premiers. Et alors, il suffit de savoir si c'est possible ou non. Plus c'est en toi, non? Bouge pas, j'ai du courage et bouche. Je vais sortir le dernier bilan. Je peux même te sortir le nom des actionnaires, si tu veux. On va utiliser Génie Entreprise de l'école. Elles vont travailler pour nous. D'abord la nôtre, celle du LBO. Puis celle d'évaluation des entreprises. On va lui faire évaluer l'école. Celle d'immobilier, on va la faire plancher sur les ventes qu'on pourra avoir à faire. Les Génie Entreprise. Au lieu de travailler sur des programmes fictifs, travaillons sur un programme réel, le nôtre. Voilà le dernier bilan. Prenez un million de pertes. Les actionnaires, il y en a 33% chacun. Mais tu crois pas que Dujardin est assez con pour ne pas se rendre compte que l'entreprise fictive qu'on veut acheter, c'est sa boîte? Remarque, si je change les paramètres et que je reconstitue à la fin... Tu vois, comme tu veux. Ah ben ouais, mais pour le cash, il va quand même falloir quelques dizaines de briques, non? Enfin, les détournements Dujardin, ils sont peut-être détournables, hein? Peut-être, mais là, il va se rendre compte tout de suite, et alors là, je plonge direct profond. Hein. Enfin, voler un voleur, c'est pas voler. Regarde, je te fais une proposition. On tente le coup, de toute façon, on n'a rien à perdre, non? Toi peut-être, mais moi j'ai quand même quelques mois de placard à gagner. Bon d'accord, je marche. Si j'arrive à faire la preuve que c'est du jardin qui détourne, j'arrête tout. Vas-y dire, mais... Ça les a pas arrangés les vacances, hein? Qu'est-ce que t'es noir, toi, dis-donc? Eh oui, une bonne couche de Saint-Maurice à la base, comme tu sais, mais j'ai rajouté une petite semaine aux Seychelles. Ça te fait un volume de congé payé. Moi, un bal, la classe. Toi, ça te ferait chier d'être comme tout le monde, alors.
je veux. Alors, dans l'ordre. Premièrement, rencontrer les actionnaires en leur proposant un prix attractif pour qu'ils vendent. Deuxièmement, monter le dossier de LBO en faisant travailler Junior Entreprise. Troisièmement, bien sûr, trouver une banque qui financerait l'opération. T'as raison, ouais. Nous, deux morpions d'élèves d'une école semi-bilan pour fils à papa. Non, mais... Ça y est, je m'envole et déjà tu m'enlèves les ailes. Je suis lucide, c'est tout. Il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, mon pote. Ok. Bon, j'y vais, là, j'en vais. Que je venais, vous aviez peur d'être ébloui? Le truc à bronzer, c'est se mettre sur la peau, pas dans les yeux. Je vous préviens, Victor, pour cette fois-ci, j'ai rien dit parce que je veux pas vous compliquer la vie. Mais la prochaine fois... Vous avez gagné. Je comprends pas. Bah, vous avez gagné le droit de m'inviter à boire un verre chez vous. Quand vous voulez. Alors, Dargela, cette chasse au virus, ça donne? Ça donne, monsieur. Je l'ai attrapé. Alors, voilà une bonne nouvelle pour commencer l'année. Asseyez-vous. C'était quoi, au juste? Une bombe logique placée dans les programmes IO. C'est ce que j'avais imaginé, mais il y a autre chose. Quelque chose d'autre? Absolument. Le virus a altéré les logiciels des junior entreprises. Alors, j'ai dû les reprendre afin d'éviter les problèmes. Oh. Vous m'avez fait peur. Je me suis dit, encore une tuile qui me tombe sur la tête. Absolument pas, monsieur. Le système est clean, les juniors peuvent commencer à travailler quand ils veulent. Je n'ai jamais regretté d'accorder ma confiance à des élèves, disons, atypiques. Et souvent, c'est cela quand on veut le meilleur. Bravo, vous avez rempli votre contrat, je remplirai le mien. Je renouvellerai votre bourse jusqu'à la fin de vos études. Merci. Au revoir, Dargela. Au revoir, monsieur. C'est pas vrai. Comme ça, sec. Elle t'a dit quand vous voulez. Tu me signes? Qu'est-ce que tu vas faire? Devine. Bon, allez, les gars, vous me suivez. Je vais pas trop vite, mais ne décrochez pas. Il y a du foie gras et de la dinde farcie à éliminer. Allez, c'est parti. Hé, c'est que peut-être, si ça se trouve, elle pourra nous aider. Elle doit connaître plein de trucs sur la boîte. Le cul et le business, je mélange pas. Si tu veux, on va pas élever les mêmes cochons. Tu vas l'ennuyer avec toi. C'est qu'on sait jamais si tu joues au con, si tu es vraiment. Et ça, ça me fait chier. Allez, on recolle. Eh, ça y est, j'ai trouvé. Viens, tu me racontes. Le golf, hein, le golf. Il y a du terrain à côté. Des friches qui valent pas une thune. Ouais. On fait passer 9-3-18 et on bâtit tout autour. Il n'y a pas de golf dans la région. Faut acheter le terrain à côté. Monter l'opération et revendre le tout clé en main d'investisseur. C'est ça l'actif qu'on va leur fournir. Suis-moi. Regarde, c'est parfait. Tiens, là, là je vois un par 4 en dogleg. Là, un grand par 5 d'au moins 500 mètres. Et là au-dessus du lac, un par 3. Qu'est-ce que t'en penses? Pas dégueu, non? En fait, il suffit de savoir à qui ça appartient. Ça, c'est pas difficile. Et après? Et après? Promesse de vente. Tu vois, j'ai comme l'impression que la Junior Entreprise Immobilier va étudier le financement et la réalisation d'un grand golf international avec villa de prestige tout autour. Cette nuit, je modifie les logiciels des JO en intégrant le golf. Faut pas que ce soit un golf, ça risque de leur mettre la puce à l'oreille. Trouve quelque chose d'équivalent, ils ont les mêmes paramètres. Ouais, ça c'est pas grave, je me démerde. Bon, bah à partir de demain, toutes les Junior Entreprises de l'école vont bosser pour nous. Avoir à évaluer une société assez simple. Un petit club de loisirs au bord de la mer. Résultat faible, mais possibilité de développement. Elle possède un petit port. Vous pourrez faire appel à des conseillers extérieurs dont vous avez la liste et qui appartiennent aux meilleurs de leur profession. Maintenant, nous allons travailler sur un projet de loisirs. Financer et réaliser une marina de luxe à partir d'un petit port privé. Vous allez voir, c'est très intéressant.
Notre but, établir le compte d'exploitation prévisionnel à 10 ans, ce qui est très loin, mais nécessaire dans certaines opérations, comme par exemple, vente de la société dans le cadre d'une OPA ou un LBO. Quand vous aurez évalué votre société, déterminé ce que vous pouvez vendre, fait un compte d'exploitation prévisionnel, le plus dur restera à faire. Primo, convaincre les actionnaires de vendre. Secondo, trouver le banquier qui vous avancera les fonds. Tertio, trouver le cash pour démarrer, ce qui est quand même nécessaire. Le club de loisirs, du point de vue de la comptabilité, c'est très proche de l'école privée. Et non, et non, c'est le même problème qu'un autre. D'Argelat, vous n'êtes pas passionné par ce que je raconte. Non, au contraire, monsieur. Nom et adresse des trois actionnaires. Prums, Jimmy Leroy, DJ Mizoking. Ça, c'est le grand morceau. Groupe financier énorme, commandeur devant l'éternel. Spécialiste chevron les deux couleurs, OPA et LBO. Bonne chance, mon pote. À toi de jouer. Ils ont acheté. Moi, ce soir, je suis pris. Monsieur. Oui, bonjour, je voudrais voir monsieur Leroy. À quelle heure avez-vous rendez-vous? Bien, je n'ai pas précisément rendez-vous. Disons que j'ai écrit et j'attends une réponse. Monsieur Leroy est en rendez-vous et son agenda est bouclé pour la journée. Je vous conseille d'attendre la réponse à votre lettre ou peut-être de téléphoner. Écoutez, il me faut 30 secondes pour exposer mon projet à monsieur Leroy. Il ne peut pas refuser. Je suis navré, monsieur, je suis obligé de vous demander de partir. Écoutez, c'est pas compliqué, il suffit. Bon, puisque c'est comme ça, je me retire. Mais je vous préviens, je prends note. Quel étage? Je vais voir Jimmy. Nous allons au même étage. J'espère que M. Leroy va être à l'heure. Tokyo ferme dans 20 minutes. On peut perdre des millions de dollars comme ça. Vous occupez des... Des opérations particulières. Ah. On a un standstill qui vient de se terminer. Et avec le changement d'heure, il va arrêter. Ça nous laisse une heure pour intervenir. Vous ne me demandez pas de quoi il s'agit? Certainement pas. Mais pour le bureau de Leroy, c'est par là. Oh, pardon, où avais-je la tête? Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah. Ok, je m'en occupe. Monsieur? Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Leroy. J'ai peur d'être un petit peu en retard, mais... Qui dois-je annoncer? François Cardot. Si vous voulez bien attendre quelques instants... Si vous voulez bien me suivre... Bonjour, monsieur, monsieur. Attendez, je comprends pas, là. Sans faire d'histoire. Écoutez, j'ai rendez-vous avec monsieur Leroy, c'est pas... Pas mal essayé, jeune homme. Mais un standstill est coté sur le jour et l'heure de la place boursière concernée. Aucun décalage horaire ne saurait intervenir. Tout le monde sait ça? Écoutez, je ne comprends pas, mais... Permettez-moi de me présenter. Leroy Jimmy. Je suis sûr que la prochaine fois, vous trouverez mieux. Hein? Permettez? Sophie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Entrez, c'est ouvert. Vous savez que les élèves n'ont pas le droit de rendre visite aux membres du personnel? Ouais, enfin, le règlement est souple. Puis, je connais bien son
coefficient d'élasticité. Vous êtes tous pareils ici, hein? Vous n'êtes pas capable de parler comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils disent les autres quand ils viennent ici? Installez-vous. Il y a du whisky sur l'étagère. Pour les glaçons, le frigidaire est en panne. Vous savez au moins pourquoi je vous ai fait venir? Non, enfin, pas vraiment. Vous ne pourriez pas deviner? Je devrais. Quand je vous ai surpris dans le bureau du directeur, ça m'a rappelé un élève que j'ai trouvé exactement dans la même situation. Bon, et alors? Bah, lui aussi, il faisait des travaux pour du jardin. Je sais pas trop quoi. N'empêche que les flics sont venus le chercher à la fin de l'année. Et je crois qu'on l'a mis en tôle. Voilà. C'est tout, je voulais vous le dire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je peux vous parler franchement? Qu'est-ce que vous croyez que je fais, moi? J'ai trouvé des trucs pas très catholiques dans la comptabilité. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Ce serait mieux que vous partiez maintenant. Je veux pas qu'on vous voit sortir de chez moi. Qu'on vous voit maintenant ou plus tard. C'est pareil, hein? Moins c'est tard, mieux c'est. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir. Ah, t'es vraiment loin des cons. T'as deux occasions d'aller sauter dessus, tu te prends les pieds dans le rideau. Ça va, ouais. J'ai manqué d'ailleurs. Si tu veux, après ce qu'elle m'avait dit, quoi, merde. Oui, remarque. Ça confirme bien ce qu'on pensait. Dis donc, toi, gros malin. Le roi. Ça y est? C'est dans la poche? Non. Je me suis fait jeter. Il n'a pas le sentiment d'avoir raté une occasion. Hé, doucement. C'est nettement plus difficile que de sauter une nana qui t'invite chez elle. Ouais, si on veut. Le problème avec le roi, c'est que... Je sais pas comment lui parler de notre truc, quoi. Je sais qu'il va nous donner la solution. Devine. S'il vous plaît, monsieur, une question. Comment faire pour contacter les actionnaires s'ils ne veulent pas vous voir? Ce sont souvent des gens importants et... Bonne question. C'est un problème qui se pose souvent. Qui a une idée? L'actionnaire que vous voulez contacter est un individu, homme ou femme, qui a un hobby, sûrement. Il s'agit de trouver son truc. S'il aime le football, et là, ça c'est vrai, parce que vous le coincez n'importe quand au prix des pinces. S'il aime la collection de timbres, vous avez des ventes aux enchères pratiquement toutes les semaines. S'il a un penchant particulier pour les filles, ben, vous leur expédiez une de vos petites camarades. S'il aime les hommes, c'est à vous de voir. En tout cas, s'il aime le golf, Cardo, hein, là c'est l'enfance de l'art pour vous. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'était pas là? Alors, je tape FF Golf. Le roi Jimmy. Roi Jimmy. Handicap 27, Saint-Nom-la-Bretèche. Ah, bah ça tombe bien. La secrétaire est une ex à moi. Ouais, monsieur le roi est là. Mais il a un partenaire. Ouais. Il vient de se décommander il y a 5 minutes. Ah, bah tu vois, hein, quand tu veux. T'es toujours 3? Ouais. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Je sais pas. On dit ensemble? T'as pas de chance, mon vieux. Je suis amoureuse et je vais peut-être me marier. Bon, et ben dans ce cas, j'attendrai que tu m'appelles, hein. Oh. Jolie balle. Vous avez votre bureau au téléphone? Vous ne m'avez pas vu. Monsieur Leroy. Oui. Votre partenaire n'est pas là, mais on vous a trouvé un remplaçant. Bon, c'est très désagréable, ça. Ne perdez pas au change, vous jouez avec M. Cardo, handicap 3. Handicap 3, mais c'est un pro, là. C'est pas un pro, mais c'est un très bon joueur. Il est très, très sympathique. Non, il va falloir que je m'applique, hein, parce que j'ai jamais golfé avec un joueur de ce niveau-là. Le roi, François Cardo. Ah, voilà, bravo, jeune homme, je dis bravo. Dites donc, vous n'allez pas m'emmerder avec votre histoire sur le parcours.
Hein? On n'est pas là pour rigoler. Vous aurez 5 minutes après. Ce sera suffisant, monsieur. Jimmy, appelez-moi Jimmy. Allez, on y va, on va les déchirer. Si on joue chacun son handicap, on ne devrait pas être loin du vainqueur. Je veux, jeune homme, je veux, oui. Et François, c'est ça? Allons-y, François. The speed's a far way. C'est pas mal. Est-ce que je peux vous donner des petits conseils ou vous préférez pas? Si vous pouvez me faire progresser, ne vous gênez pas. Le club, la jambe gauche, là. Voilà, là c'est bon. Vous essayez? Hein? Bon. Je suis gagné de faire, ouais. 200 mètres. Là, 250. Là, je crois que c'est... Je la refais tout de suite, hein. Oh, je sais pas où aller. Oui, 1 centimètre à droite. Allez-y. Oui, parfait. Bravo. Non, non, j'ai rien. Ah, c'est bien. Vous êtes 10 au-dessus du pas, avec 4 coups d'avance. Alors que moi j'ai un coup de retard. J'ai l'impression d'avoir fait plus de progrès en 9 trous qu'en 10 ans de leçon. C'est ça le golf. Il y a un déclic et hop, on fait un grand pas en avant. Ouais, c'est comme dans les affaires. Parfois ça se débloque d'un coup et ça, c'est pas à l'école que ça s'apprend. C'est bien mon avis. Alors qu'est-ce que vous foutez à l'IFM? Les affaires, ça s'apprend en les faisant. Dans le mot affaire, il y a faire. C'est ce que je fais. Je comprends pas. Mais si je vous explique, il... De quoi s'agit-il? Avec un ami, on tente un LBO, sur IFM. Vous voulez dire que vous voulez acheter votre école? Exactement. Vous avez pensé à moi pour vous aider? Oui, et de 3 manières. 1, en nous conseillant, parce que vous êtes un spécialiste mondial de ce genre d'opération. 2, en nous vendant vos 33%. Et 3, bien sûr, en trouvant une banque qui financerait l'opération. Et c'est tout? C'est tout. Ça me plaît. Mais est-ce que vous avez pensé aux difficultés de l'entreprise? Mais c'est pour ça que je suis là. On gagne cette putain de compétition et on parle sérieusement de tout ça dans mon bureau, d'accord? Premier prix en net, équipe Leroy Cardo. 135, soit 9 en dessous du pas. Bien, très très bien, monsieur Leroy. Toutes les félicitations. Monsieur Cardo, bravo. Merci. Bravo. Tchin-tchin. Santé. C'est la première fois que je gagne une compétition de golf. Mais croyez-moi si vous voulez, je suis aussi heureux que le jour où j'ai enlevé l'unidoft. J'aimerais pouvoir comparer très bientôt. Vous ne perdez pas le nord, hein? Asseyez-vous. Ah. Non, LBO, c'est très compliqué. Il faut évaluer sérieusement la société, étudier ce que l'on pourra vendre et combien, faire une gestion prévisionnelle à 10 ans pour calculer les bénéfices, et puis cibler... C'est en cours. Toutes les juniors entreprises de l'école travaillent pour nous sans le savoir. Ça, c'est une idée. Et chacune avait des conseils extérieurs. Varroa pour l'évaluation, Dubosc pour le golf, Micheli et Tardieu pour le prévisionnel. Vous les connaissez tous. Ils ont souvent travaillé avec vous. Hein? Et comme actif, qu'est-ce que vous envisagez de vendre? Eh bien, on fait passer le 9-3-18 en achetant terrain d'à côté et on fait un programme immobilier. Habile? Oui, on aura des dossiers super pro. Je suis prêt à vous vendre mes 33%. À vous de convaincre les deux autres actionnaires. Je pousserai s'il le faut. Si le montage est cohérent, ma banque fera l'affaire. Ah. Il vous reste à trouver le cash et pour ça, vous jouez. Bien, je dois vous quitter. Faites-moi parvenir tous les dossiers des juniors entreprises, les chiffres, et tenez-moi au courant, je parle de vous. Hein?
Savez-vous pourquoi je vais vous aider? Non, monsieur. Non, Jimmy. Non, Jimmy. Je vais mettre tout mon poids dans la balance parce que je ne suis pas sûr que j'aurai eu l'idée. Mais si. Ah. Ou je vieillis ou vous êtes très fort. J'attends de vos nouvelles, jeune homme. Au revoir, monsieur. Au revoir, Jimmy. Mmh. Jésus répondit à ses disciples, « Ayez la foi en Dieu, car en vérité, je vous le dis, celui qui commandera à cette montagne de se soulever et de se jeter dans la mer, s'il ne doute pas au fond de son cœur de la réalisation de son vœu, l'obtiendra. Aussi, moi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez et l'obtiendrez. » Prions. Prions beaucoup. Bon, bah bien joué. Laura, c'est dans la poche. Et avec lui, on a peut-être la banque. Bon, enfin, il reste quand même les deux autres, hein. Bah tiens, les deux autres. Alors lui, Cap de Vielle, Gérard, 36 ans, célibataire, propriétaire d'un magasin rue des Beaux-Arts, spécialisé dans l'art africain. Et expert mondial des poids à peser l'or. Poids à peser l'or? C'est tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Entrez. 36 ans, célibataire, et pas pédé. Pas que je sache. Bah dis donc. Je sais pas comment on va l'attraper celui-là, hein, parce que les poids à peser l'or... Ça fait plaisir d'être accueilli avec des sojourns. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais te montrer ma nouvelle dent. Je vais dire, je suis vraiment désolé. Faut c'est porter oublié. Bien. Tu me manques trop. Bon, ben, je vais faire un petit tour. Hein. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Tiens, tu devrais même aller voir du côté du secrétariat. Pas trop ça. Tu pourrais peut-être même y passer la nuit, non? Attends, je vais te montrer la plus belle. Sous le fric, la femme. On avait bien ri ce jour-là. C'était quelque chose comme ça, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. Peut-être comme ça, À peu près comme ça. Bouge pas, j'arrive. Je comprends bien, vous voulez racheter l'école avec 1% de son prix, lesquels 1% vous n'avez d'ailleurs pas, accessoirement. Mais c'est à peu près ça. Vous êtes fou. Tu peux nous aider si tu veux. Je vois mal ce que je pourrais faire dans cette galère. Je vais t'expliquer. C'est très simple.
Garçon, s'il vous plaît. Oui. Mademoiselle. Vous êtes ma première affaire. Je vous demande pardon. C'est très simple. Je travaille depuis quelques jours dans un cabinet spécialisé dans le rachat des entreprises. Oui, je ne vois pas très bien. Vous êtes bien propriétaire de 33%. 33% d'IFM. Oui, tout à fait. Vous pensez que c'est le lieu et la méthode pour... Absolument pas. Mais quand j'ai su que vous étiez le spécialiste mondial des poids à peser l'or... Oh, n'exagérons rien. J'ai une petite collection. Et si j'avais plus de moyens, tenez par exemple ce Dayabe Akanti. Je vois que vous connaissez. C'est un homme et son domestique portant un baril de poudre et fumant la pipe. Tu fumes en portant de la poudre, c'est-à-dire que tu es complètement inconscient. J'ai affaire à une spécialiste, il n'y a pas de doute. Une amoureuse de l'art africain, qui doit gagner sa vie en essayant de faire vendre des actions à des gens qui ont surtout envie de les garder. De toute façon, ça m'aura permis de me plonger un instant dans cette ambiance. Vous êtes la bienvenue aussi souvent qu'il vous plaira. Pour les actions, c'est un autre problème. Ce n'est pas un placement extraordinaire, mais je les tiens de ma mère, vous comprenez? Je comprends très bien. Cela dit, je suis mandatée pour vous offrir 10% de plus que ce qu'elles valent, voire 15% si c'est nécessaire. C'est votre carte personnelle? Je commence, je n'ai pas encore de carte professionnelle. Appelez-moi pour me donner une réponse, quelle qu'elle soit. Eh bien, il faut que j'y aille. J'ai d'autres rendez-vous beaucoup moins agréables. Je vous promets une réponse rapide. Merci pour votre accueil. Ça va, monsieur Balanchard? Oui, ça va, merci. Vous déjeunez avec nous? Oh, j'ai pas le droit. Je voudrais bien, mais vous savez, on mélange pas les torchons avec les serviettes. Et vous connaissez du jardin. C'est vrai. Ça va? Ah, merde. Alors, en gros, t'es amoureux, quoi. On n'en est pas encore à la bague aux doigts, mais enfin... Ça va. Enfin. Bon, j'ai le temps de bosser un petit peu, quand même. Mmh. Isabelle m'a promis qu'elle surveillerait du jardin pour trouver s'il n'y a pas quelque chose. Non, ça va être dur, hein, parce que c'est un vicieux. C'est le genre de mec à se mettre des gants pour se taler. Et alors, sur celui-là? Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous pouvez m'apporter un steak haché avec des haricots verts? La même chose pour moi, s'il vous plaît. On dort ensemble, on mange ensemble, on se quitte pas, hein? Ouais, et on cogne pour quatre. Ah, nerveux avec ça. Ouais. Et alors, Ursula? Ben, ça roule. Elle a vu le Lascar. Il lui a téléphoné le lendemain. Et elle dîne avec lui ce soir. L'unité de poids, c'est le Takov. C'est exactement 0,279 grammes. C'était au départ le poids de la graine d'un arbus, le Abrus predatorius. C'est passionnant tout ça. Vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Je connais bien les poids figures comme votre fumeur de pipe, mais les poids géométriques, je suis moins à l'aise. Montrez-moi votre collection, si vous voulez savoir sa valeur. Est-ce que vous seriez pas en train de me faire le coup des estampes japonaises en plus sophistiquées? En beaucoup plus sophistiquées. Mais les poids à peser l'or, ça a une autre allure. Oh ma chérie, je suis épuisée. Toute la journée sur un bateau mouche pour je sais plus quelle saloperie pour les cheveux. Après 4 shampoings, j'ai peur qu'il en reste encore. Je te présente Gérard. Gérard Capdevielle. L'art africain, c'est lui. Vous prendrez bien un dessert ou un café avec nous? Un café, je ne dis pas non. L'art africain, mais c'est passionnant, ça. Bénédicte, elle cherche à se caser, alors tu comprends, un mec pas mal, 36 balais, célibataire friqué et tout, ça court pas les rues, hein. Et alors? Et alors, il paraît que c'est un coup terrible. Eh ben ça, je suis ravi de l'apprendre. Mais dis-moi si j'ai bien compris. Les actions, bonsoir. Non, bonjour. Judith, passez-moi mon sac, s'il vous plaît. C'est la promesse de vente des actions au prix du marché plus 15%. Et ça? Ça? C'est quoi, ça? C'est un cadeau pour moi. Non, arrête! Non, mais arrête, prends-moi ça! Allez, les enfants, c'est l'heure. L'évaluation de l'école, 45 millions. L'opération Golf, on doit acheter le terrain pour toi, on vend de tout 16.
Et le compte prévisionnel, 31,5 millions sur 10 ans. Tu crois que c'est jouable? Je crois rien. Enfin, j'ai quand même envoyé tout ça à le roi, et voilà sa réponse. Alors, reste le troisième actionnaire, acheter le terrain d'à côté et trouver le cash. Une paille. Il faut toujours parler des choses. Et un jour, on finit par les faire. Le terrain appartient à la commune et on a rendez-vous avec le maire. Tu veux que je te dise un truc? T'es un grand. Non, attendez, attendez, je comprends pas bien. Vous êtes élève à l'école et vous voulez m'acheter un terrain. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tout à fait. Dans les écoles de commerce aujourd'hui, il y a des juniors entreprises dirigées par les élèves mais conseillées par les professeurs qui peuvent avoir des activités réelles. Dans les écoles, on faisait des devoirs. Mais disons que c'est un devoir qui peut devenir réalité s'il est bien fait. On a un financier solide, prêt à rentrer dans le coup. C'est très sérieux. Et ça change rien au fond du problème. Si la commune vous vend un terrain pour faire un golf avec des résidences de luxe, moi on va dire que j'ai fait un programme immobilier déguisé. Alors là, je vais avoir les écolos, les chasseurs sur le dos, et alors là pour ça, ils se mettent tous d'accord et puis c'est fini. Hein. Elles vaudront combien ces maisons? Entre 5 et 15 millions. Oh non, non, non. Alors là, il n'y a pas une personne dans la commune qui vous achètera, mais même la plus petite. Hein. Combien? 500 000 francs. Hein? 500 000 francs pour vous, bien sûr, si elle vous intéresse. Puis vous pourrez la payer facilement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous acceptez de nous servir de conseiller pour l'opération, on a prévu 500 000 francs d'honoraires. Et là, vous nous rendriez un fier service. Ah, pff, on soufflerait. Le fait est que pour la commune, le programme pourrait présenter un intérêt économique. Si, il y aurait création d'emplois, ça relancerait le commerce local. C'est vrai que pour l'image de la municipalité, ce serait pas mal. Imaginez une petite commune qui, sans toucher aux données du contribuable, crée un golf international. Ah, mais plus j'y pense, plus je trouve votre idée intéressante. Belle piscine. Je vais le proposer au conseil municipal. Et je te dis, on a été très bien. Yeah, man. Tu vois, en fait, c'est simple le truc. C'est pas d'acheter les gens, c'est de payer le prix qui s'estime. Simple. Jeune homme, Monte Cristo, numéro 3. Ah, pas pour moi. Isabelle. Le mois dernier, je lui ai envoyé un fax avec uniquement comme message CB1, C3. Partie d'échec, tous les coups sont prévus. Il y a un code là-dessous. CB1, C3. Sixième coup des bains. Et il y a une réponse? Je sais pas, il a un fax branché sur sa ligne directe. À tous les coups, on a mis le doigt sur quelque chose. Hey, regarde, dis donc. J'ai piqué le fax de la gestion de portefeuille. J'ai collé une petite bretelle sur la ligne directe. Et voilà le travail. Ah bon? Et alors? Et bien on va recevoir ici tout ce qu'il envoie tout ce qu'il reçoit. C'est demain que l'ordinateur de verser 25 patates du mois. Si j'ai vu juste, du jardin m'a fait c'est D2, D4. Et la banque répondra dès qu'elle aura reçu le pognon. Et t'es sûr du coup? Non, on va bien voir. Enfin, en attendant, en ce qui concerne la dernière des trois actionnaires, tout ce qu'on a tenté à foirer, il faut qu'on trouve autre chose, mon pote. Hé, tu vois pas, toi, qui va nous donner la solution? Oh. Quant aux bénéfices sur 10 ans, l'expérience prouve que les objectifs sont le plus souvent réalisés. Un management qui est en train de devenir propriétaire se défonce, forcément, parce qu'il sait qu'il travaille pour lui. Tout repose sur la compétence. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Encore une petite question, s'il vous plaît. Toujours concernant les actionnaires, quand on a tout essayé et que ça foire. Tenez, un truc qui ne vous coûtera rien. Encore un, petite gourmande. je ne sais pas ce que je ferais si je ne t'avais pas. Madame la baronne, on vient de livrer ceci. Montrez-moi un peu.
Oh, que c'est joli! Mon maître sollicite une entrevue avec vous. Si vous pouviez lui accorder cet honneur, coupez le petit morceau de laine que j'ai à la pâte. Oh, que c'est joli! Le petit morceau de laine rouge que j'ai à la pâte. Et là, chez moi, j'irai le retrouver. Il se réjouira de votre réponse. Oh, quelle jolie idée! C'est amusant, non? Mais c'est très inhabituel. Que dois-je faire, madame la baronne? Ben, couper le fil et relâcher le pigeon. Et tu crois, toi, à ces conneries? Un pigeon? FF1 Détroit. C'est ça? Ça y est, j'ai trouvé. Ah non, merde. 44, c'est l'Angleterre. Merde, ça n'a pas été envoyé aux îles Caïmans, ça. Ça doit être un relais. Ça y est, l'ordinateur est en train de faire le virement. Eh, hey, et supposons que les prochains versements, tu demandes à l'ordinateur de les verrer sur un compte à nous. Ouais, t'as raison, c'est 3 ans de paquet avec un bon avocat, ça. Le pigeon. Eh, fil rouge coupé. Putain. Et j'aurais pas cru. 00. Eh, hey. C'est ça. Quoi? C'est quand même vicelard leur truc. Hein. Mademoiselle, appelez-moi maître Dulon. C'est urgent. Je voulais voir à quoi ressemblait la personne qui a eu cette charmante idée. C'est nous, jeune homme? Non, enfin, disons que c'est nous deux, quoi. Ah, bon, eh bien, asseyez-vous. Vous prendrez bien quelque chose? Merci, madame, vous êtes trop aimable. Eh bien, madame, je suis là et je vous écoute. Voilà, c'est très simple. On aimerait savoir si vous seriez prête à vendre vos actions d'IFM. Vendre? Nous payons nettement au-dessus du cours. Mais tu entends ça, pervers? Vendre mes actions? Mais bon, vous savez, moi, les affaires, je ne connais pas grand-chose. Enfin, nous serions prêts à vous offrir le prix qui vous... Le CAC 40 affichait bien plus 0,8% en fin de séance. Le Nikkei était à plus 3% et le Dow Jones à 2547. D'accord, vous me direz que les monnaies cantonales bénéficient de la détente très légère des taux d'intérêt. On ne dit rien. Le dollar est ferme à 5,0670. Le Deutschmark à 3,4134 et la livre sterling à 93,22. Ce qui donne un franc plutôt bien portant. C'est l'heure de la promenade de Pervette. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, monsieur. Désolée, mais je ne suis pas un pigeon. Cet versement de 250 000 francs, c'est grave, hein? Et puis ça peut vous faire sauter une boîte. Je viens seulement de me rendre compte, malheureusement. Et vous êtes sûr que c'est ce Darjela qui a fait le coup? Sûr, non. Mais les détournements ont commencé avec son arrivée. La petite mission informatique que je lui ai proposée. C'est un peu mince, hein, comme preuve. Vous connaissez son dossier? Il y a un détail intéressant. Il a trompé aussi dans une affaire qui passait par Caïman Bank. Ah, ça c'est déjà mieux. Mais c'est pas non plus une preuve irréfutable. Hein. Alors quoi qu'il en soit, si vous en êtes d'accord, je dépose une plainte au parquet dès aujourd'hui. Faut vous protéger. Faites-le. Ça y est, la 8e. Putain, le rythme s'accélère. Mais il en reste deux. Pour nous, c'est parfait. Non, c'est foutu, mon gars. La vieille, elle vendra jamais, puis du jardin, elle peut faire nos virements n'importe quel instant. Et les deux prochains? Tu peux pas savoir quand ils vont être programmés? C'est difficile, hein. C'est au moins 3 jours de boulot, si je suis aidé. Je suis même pas sûr de mon coup. Ah, tu peux changer de destinataire. Oui, c'est facile, il n'y a qu'à intervenir à la sortie. Attends, j'ai un petit coup de fil à donner. Pourrais-je parler à madame la baronne, s'il vous plaît? Oh, je crains que madame la baronne ne puisse pas vous répondre. C'est l'un des deux jeunes gens que vous avez vu l'autre jour au sujet de l'école. Oui, c'est bien ce que je craignais. Madame la baronne a perdu Perlette. Elle est très affectée. Oh, mon Dieu. C'est triste, une si jolie petite chienne. Écoutez, j'ai peut-être une idée. Avec quelques élèves de l'école, on peut peut-être l'aider dans ses recherches.
Le jeune homme propose de vous aider en faisant des recherches avec ses camarades. Oh, il faut tout essayer, absolument tout. Dites-leur que s'il retrouve Perlette, il y aura une récompense. Une très belle récompense. Oh, attendez, dites-leur que je leur vends mes actions. Non. Bien, monsieur. Écoutez, dites à la baronne que nous allons faire tout ce qui est humainement possible. Merci. Du jardin porte plainte contre moi. Mais je suis bon pour le gnouf, là. Hé, hey, la baronne a perdu son chien. Si on lui retrouve, à nous les actions. Alors laisse tomber, là. En plus, on est tous les deux virés à la fin de l'année. Je te dis qu'on a une chance. Je te dis qu'on allait se mettre à 50 et qu'on allait passer le quartier au peine fin. Tu ne retrouveras jamais son clébard. Il est parti au bois se faire tringuer par un fox. C'est tout fou, le bois de boulot. Dans ces cas-là, il y a peut-être une autre solution. Ouais. Laquelle? Celle-là. Hier soir, pendant la promenade de l'animal. Chut. Le paquet. Un perlet. Hein? Hé, hey, tu vas pas mourir maintenant. De toute façon, t'as pas le choix, mon pote. Hein? La mère nous a donné son accord et on a même le numéro de son compte en Suisse. Alors tu vas lui créditer les deux derniers virements. Et à nous la promesse de vendre du terrain. Allez. Ça, c'est pas compliqué. Voilà, il n'y a plus qu'à appuyer là-dessus. Après, il n'y a plus que deux solutions. Ou bien on a réussi à acheter l'école, ou bien on va tous les deux en tôle. Là, voilà. Moi, j'aime bien quand les situations sont claires et nettes comme ça. Allez, on appuie ensemble. Voilà. On a mélangé notre sang, mon pote. C'est une opération en béton. L'évaluation des bénéfices sur 10 ans est contre-signée par les meilleurs spécialistes. Dans l'ordre, entre parenthèses, travaille chez vous. L'opération Golf est superbe. C'est une LBO sans risque. Oui. Enfin, vous comprenez, ces jeunes gens... Quoi, ces jeunes gens? Vous préférez que ce soit des vieux cons, c'est ça? Vous comprenez que c'est assez inhabituel. Des élèves qui achètent leur école... Si vous ne voyez pas qu'il y a là un coup terrible pour votre banque, alors là, vraiment... Voici vous donner votre garantie. Non, attendez, attendez, attendez. Si je donne ma garantie, j'encaisse les énormes commissions qui reviennent à la banque dans ce genre d'opération. C'est clair. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, non, mais j'avais bien compris, j'avais bien compris. Là, passé, ne tournons pas autour du pot. Hein? Ou bien vous faites l'opération avec nos amis, ou pour Bluebird, c'est un peu la même manie, mais avec 2-0 en plus. Et moi, je vais... Oui, vous, j'en parle au conseil. Non, m'emmerdez pas, la passée, m'emmerdez pas. Votre président vous a donné pouvoir de décision. Alors, ou vous vous engagez maintenant, ou bien dès demain, vous lisez dans le Figéco le nom de la banque qui vous remplace. Et pour l'IFM, et pour Bluebird. Allez, paraphe à chaque page, et signature à la fin. C'est terrible, ça, il faut les violer pour leur faire gagner de l'argent, hein? Si c'est une mise en demeure... Vous allez vous faire des couilles en argent, passez-moi l'expression, et une image en or. Vous pouvez annoncer à votre président que je l'attends dimanche à Saint-Cloud pour l'Open de golf des chefs d'entreprise. Je crois qu'il joue avec son fils. Moi, j'ai trouvé un partenaire. Je ne vous retiens pas à aller annoncer la bonne nouvelle à votre équipe. Bon, cher roi, voilà. Petit détail amusant. Figurez-vous que je suis membre du jury du prix de l'extension. C'est un prix qu'on décerne chaque année à un chef d'entreprise particulièrement performant. Bien, cette année, il y a deux ex-échos. Vous et vous. Non. Si. Ah. Je vous fais remarquer quand même qu'à cette heure, on est viré de l'école sans le moindre diplôme. Ah, du jardin, du jardin. Il n'en loupe pas une. Savez-vous que chaque fois que je ne pense à rien, je pense à lui? Ça fait du bien de faire le vide en soi. Je vais l'appeler pour le féliciter. C'est vous qui lui ferez l'honneur d'accepter votre diplôme de fin d'études. Dimanche, 10h, 5h. Allez, salut Thierry. Alors, voilà. Non, vous ne rêvez pas du jardin. Cardot et Dargela vont recevoir le prix d'extension. Vous pouvez me faire confiance, je suis membre du jury. Allez, ils ont réussi un LBO sur une jolie société. Non, mais dites donc le nom de la société et puis quoi encore? Je ne vais pas vous le dire, ce serait la surprise. Ils n'ont rien foutu de l'année, ils n'ont rien foutu de l'année. Vous en êtes bonne, vous. C'est pas le problème. Je veux qu'ils aient leur diplôme. Vous vous rendez compte de la pub que ça représente pour IFM? Ah, là, du jardin, démerdez-vous, mon vieux. Ah oui, démerdez-vous. En tout cas, je peux vous garantir une chose. S'il refuse le diplôme, je ne refuserai pas votre démission. Is it clear enough, my dear? Le grand prix d'extension, vous m'embouchez à un coin.
Vous êtes au courant? J'ai mes sources. En revanche, ce que je ne sais pas, c'est le nom de la société que vous avez rachetée. Encore un mandarin avachi qui sera fait un peu savonner la planche, non? Moi, voilà ce que je vous propose. Je vous laisse le choix. Ou vous continuez vos études, ou vous finissez à la fin de l'année avec le diplôme et le rang de major ex aequo. Continuez, non, merci, franchement. Puis le diplôme, je sais pas ce que t'en penses, Victor, mais on n'en a pas vraiment besoin. Tu fais ce que tu veux, moi, j'en veux pas. Il a raison, moi non plus. Major de l'IFM, vous vous rendez compte? Justement. Il y a 500 types qui se battent comme des chiens pour essayer de l'avoir. Qu'ils se battent. Ferrari, Testarossa. Hé, je viens de la toucher. 390 chevaux, 280 km/h. Pas mal. 295, les doigts dans le nez. Attendez, je vois que vous êtes connaisseur. Je vous la prête, si vous voulez, pour le week-end. Et vous signez là. C'est l'acceptation du diplôme. Un week-end? Et moi, je roule en vélo? Une semaine. Qu'est-ce que t'en penses, Victor? Ben moi, tu sais... Enfin bon, je sais pas si je dois le dire, mais... la seule chose qui pourrait éventuellement nous convaincre... Oui, bon, alors j'écoute, oui. Ben, c'est que vous nous la donniez, voilà. Purement et simplement. Voilà, c'est dit. Et puis avec la pub qu'on va faire à votre école de merde, ça vaut bien ça. Et puis même, c'est pas cher payé. J'allais le dire. Mais vous êtes deux salopes. Oula. Ça y est, il se fâche. Moi, je me tire, j'ai perdu l'habitude de me faire jeter. Je t'accompagne. D'accord, d'accord, je commence à comprendre. Bon, vous me le paierez. Vous, surtout, d'Argela. Le roi de l'informatique. Hein? Le sursitaire du tribunal de Nanterre. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Oh, comme il est mignon, ce petit crocodile. Comment il s'appelle? Mais c'est pas un crocodile, c'est un caïman. Il s'appelle Banque. C'est le caïman Banque. Joli nom, non? Même qu'il a un numéro pour pas qu'on le perde. C'est marrant, hein? Il a l'air gentil, il est apprivoisé. Mieux que ça, même. Il joue même aux échecs? Non. Malheureusement, il va crever. Ah bon? Il va mourir? Et pourquoi? Il a une grave indigestion. Très grave. Figure-toi qu'il a avalé 8 fois 250 000 francs en petite coupure. Non. Oui, bon, d'accord, d'accord. Alors, on s'arrange comment? Mais on peut pas. On peut pas le soigner? On va le faire vomir. Il va faire des 40 tout, hein. Je vois pas d'autre solution. Écoute, il doit bien avoir un petit médicament. On pourrait essayer l'Omega-Man de Crandall. Ça s'utilise comme une commande TSO et ça permet la modification de certains champs. Un ingénieux système, en utilisant simplement la commande list, permet de donner toutes les instructions nécessaires pour que la bête rende. Si, bien entendu, elle n'a pas encore commencé à digérer. D'accord, vous êtes très fort. Mais c'est justement pour ça que vous savez qu'on ne peut rien prouver. À supposer que ce soit moi qui ai fait le coup. Simple hypothèse d'école. Tout vous désigne, mon petit Argelin. Avec le casier que vous avez, un juge n'hésitera pas. Hein? Et il aura vraisemblablement raison. Bon, on achève? On l'achève. Allez. C'est un supplice chinois. Vous retirez votre plainte contre Victor et vous rendez l'argent. Nous, on s'engage à ne rien dire. Dès que les fonds sont de retour, on signe tous les trois en bas de cette feuille et il ne s'est rien passé, monsieur le directeur. Ce sera tout pour aujourd'hui? Bien évidemment, vous donnez votre démission. Bah oui, ça tombe sous le sens. Ça dans la gauche? Non, ici la paume, merci. Ça vous intéresserait d'être directeur d'un internat? Directeur d'un internat? Ce n'est pas sans une certaine émotion que je préside ma dernière distribution des prix dans cette école où j'ai passé plus de 20 ans. Et je suis d'autant plus ému que je vais commencer par remettre, avec M. Leroy ici présent, un prix exceptionnel. En effet, deux élèves de l'IFM ont réalisé ce qu'aucun directeur n'aurait pu rêver. Passer durant leur scolarité de l'exercice à la pratique, de la junior entreprise à l'entreprise, de l'étude à l'action. Messieurs,
Vous me faites le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Vous êtes le triomphe de ma vie d'enseignant. Ce prix, c'est une couronne, je n'ai pas peur de le dire, que vous déposez sur une carrière que j'arrête aujourd'hui, ici d'ailleurs, car je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Tu nous auras assis jusqu'au bout. Je veux que tu m'en veux. Tu manques pas d'air, papa. Prends-en de la graine coco, ça pourra te servir un jour. Monsieur le roi. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix que j'aurais bien aimé recevoir si j'avais eu votre talent. Souriez, mon Dieu, souriez. Quand on monte, il faut toujours sourire. Parce que quand on descend, on croise les mêmes. Tu vas en croiser les masques. Pas de familiarité, s'il vous plaît. En tout cas, je tiens à vous rassurer sur mon compte. Moi, ça va très bien. Une société américaine vient de me proposer la direction d'un groupe de C Business School. Grâce à vous, monsieur. Je vais aller. Non, voilà, oui. Messieurs. Monte Cristo numéro 1. C'est vrai. Du coup, un peu.